Bonjour tout le monde, je parle doucement parce que me voilà au salon du Gard de Scrap dans le magnifique hôtel. Voilà, voilà. Hop. On passe dans les... Voilà. Alors là, je suis dans le hall de l'hôtel. Et on va donc passer dans le salon. Voilà, c'est magnifique, hein? Vraiment très joli. Voilà, à tout de suite. Alors, on est chez Carto Scrap, monsieur super, super sympathique. Il a des choses magnifiques. Des tampons. Voilà. Des magnifiques tampons. Des découpes. Hein. Super. Je passe un peu vite. Hein. Des encres. Des tampons, superbe tampons, des tampons, voilà, des tampons qu'on ne trouve pas partout. Voilà, et dernière nouveauté, spéciale dans le scrap. Oh là là, superbe, ah, vraiment magnifique, hein. J'aime beaucoup avec les écritures comme ça, ou les sentiments. Tiens, ça c'est pour vous les filles quand on travaille. Hein. Voilà, super. On va en faire d'autres. Voilà, il y a vraiment un choix important de tampons. C'est très très joli. Voilà. Oh, qu'est-ce que je vois les filles. Qu'est-ce que je vois les filles. Je vous en ai fait la pub la dernière fois. Regardez. Le dévidoir à poignée. Excellent. Super. On continue. Là, on est à la boutique de Muriel, qui s'appelle Ma Petite Boutique de Scrap. Voilà, il y a des lumières. Voilà. Hop. Il y a beaucoup de monde, donc il faut que je fasse attention. Donc il y a des très très belles choses. Vous avez des peintures, des feuilles aimantées. Les filles, vous qui cherchez des feuilles aimantées. Vous avez des peintures, des tampons. Vous avez des tampons. Elle dit stress. Voilà. Hop, hop, hop. C'est pas facile de jongler quand il y a du monde, c'est super. Je fais attention de prendre personne. Là, il y a des die-cups ou des matrices de découpe. Pardon, excusez-moi. Hein. Je vais arrêter. Ne vous inquiétez pas, je prends personne. Hein. C'est pas là. Voilà. Ah, là, c'est super parce que vous avez. Voilà, là, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est les découpes avec des mots. Voilà. Hop, hop, hop. Là, vous avez tout ce qui est matériel, de nouveau. Les peintures. Il y a de quoi faire. Hein. Hop, hop, hop. Et
Voilà, je ne peux pas tout faire voir parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais voilà. Allez, on continue. Donc là, on est au stand de Patrice. Alors, c'est merveilleux, merveilleux. Il a des boîtes. Et là, je me suis laissée tenter. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, nous avons des très belles, des très beaux albums qu'on ne peut pas toujours ranger. Et ce monsieur a eu l'idée de faire des casiers. Vous voyez, vous mettez vos papiers, le papier d'album qui font 30 sur 30. Effectivement, vous avez tous vos papiers qui sont bien rangés. Alors, vous l'avez en casier comme ça, ouvert. Et après, vous l'avez... Alors, on va regarder. Hop, vous l'avez après en casier. On va y arriver. Hop. Vous pouvez juste un petit peu vous décaler. Hop. Voilà, merci beaucoup. Voilà, et vous l'avez en casier fermé. Voilà. Après, vous mettez ce que vous voulez, mais ce sont des casiers qui sont faits pour mettre nos papiers qui font 30 sur 30. Voilà. Après, vous avez d'autres casiers pour remettre vos tampons et pour qu'ils soient bien rangés, qu'ils ne glissent pas. Voilà. Et il vous fait... Voilà, regardez. Là, c'est super. Voilà. Là, vous mettez vos tampons. Voyez. Mettez vos tampons. Voilà. Vous mettez tous vos tampons et tout est bien rangé. Voilà. Je vous mettrai les perforatrices. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et en plus, il fait... Donc, tout le bois découpé. Voyez. Ah, y a beaucoup de monde. Hein. Je suis obligée de me dépêcher. Voilà. C'est pas évident. Hein. Donc, tous les casiers et tous les bois découpés. Voilà. Voilà, voilà. Alors, moi, j'ai pris celui-ci. Je vous le ferai voir. J'ai pris celui-ci. Que vous voyez, on peut tirer aisément et il y a 20 cases et il fait, je crois, 39 euros. Voilà, et vous le trouvez sur le net. Je vous donnerai tout ça en barre d'infos. Hein, voilà, il y a même des tiroirs, il y a même vraiment voilà. Après, c'est comme vous le souhaitez. Moi, ce qui était important, c'est que nos papiers, nos beaux papiers Stamperia, rentrent et soient bien protégés dans ces casiers. Hein? Voilà. Allez. Alors là, je suis au stand de Myriam. Magnifique boutique. Vous pouvez la retrouver aussi à Bédarieux le 23 février, où il y a les puces d'écouturière. Elle a... vraiment un stand qui est magnifique avec des tissus, je lui en ai déjà acheté. Vraiment magnifique avec des petites breloques, des petits faire des petits porte-monnaies, voyez. Ça, c'est super pour mettre dans les pour faire les boucles. Des petites breloques de toutes les sortes, hein, vraiment. Hop. Et là, alors, pour fermer les boucles qui sont super. Je vous ferai pas voir le monsieur qui est derrière, qui est en train de me regarder, qui rigole. Là, c'est magnifique aussi. Des petits boutons déco que l'on peut mettre. On peut les mettre un petit peu partout. Pas que j'aille trop vite. Sinon, vous allez avoir le tournis. Voilà, vraiment, c'est une boutique que j'aime beaucoup venir là. Parce qu'elle a vraiment de tout et en plus, ils sont adorables. Alors, vous avez des petits, pour celles qui font le patchwork, petits bouts de tissu. Regardez-moi ça, comme c'est magnifique. Alors, je ne sais pas si on m'entend bien, parce que je fais du bruit. Il y a du bruit. Alors, vous avez tout un tas de boîtes avec des boutons. Voilà. La boutique.
Voilà, voilà. Voilà, et vous pouvez les retrouver au puce des couturières à Bédarieux. Je vous assure, allez-y. Ils ont vraiment de tout, c'est fantastique. Voilà. Allez, on continue. Alors là, on est avec Valérie. Alors moi, je vais me taire, c'est elle qui va se présenter sa magnifique boutique. Allez, vas-y. Bonjour, Valérie. Donc moi, c'est Valérie, la petite française. Pourquoi ? Parce que je suis française et pas très grande. Non, ça c'est plaisanterie, c'est parce que en fait, je dessine moi-même tous mes tampons et je fais tout fabriquer en France de façon artisanale. Voilà. Donc derrière moi, vous pouvez avoir toutes les collections de tampons montés, plus quelques petites anciennes collections, les créations de mon équipe. N'hésitez pas à me retrouver sur mon site en ligne, La Petite Française Concept, ou me retrouver aussi sur mon Facebook avec les créations de l'ADT à Valérie Ségotine. Merci. Super, magnifique. Alors vous avez vu, hein. Elle a des. Je vous assure, j'y suis, c'est vraiment magnifique. Magnifique, il y a des tampons, attention, ce sont des créations, hein. C'est pas le tampon que vous trouvez sur AliExpress. Je critique pas AliExpress, hein, on y va toutes, mais là, si vous avez quelque chose voilà, de particulier vraiment, alors on va approcher un tout petit peu, voilà, faire voir les tampons, la beauté des tampons. Et alors, je sais pas si vous voyez. Je vais vous faire voir. Regardez cette qualité. Voilà, ça c'est de la qualité. Voilà, vous voyez les filles, c'est vraiment, on fait des rencontres qui sont merveilleuses. Voilà. Bon, ben merci beaucoup Valérie. Merci pour. Avec plaisir, à bientôt. Voilà, à bientôt Valérie. Merci, merci. Alors, nous voilà maintenant de retour à la maison. Avant de vous faire découvrir mes achats, je voulais faire un gros bisou à mes abonnés qui sont venus, pas toutes, hein, mais enfin, je vous fais un gros bisou à toutes mes abonnées, mais j'en ai vu quelques-unes au Salon du Gard qui sont venues me voir et se présenter. Et pardon, et par contre, je vous prie de me pardonner parce que j'ai marqué votre prénom sur un papier, mais le petit papier, regardez tout le bazar que j'ai. Donc je peux pas dire votre prénom, mais je vais dire les villages ou les villes où vous étiez. Il y en a de Montpellier, il y en a une de Lunel, il y en a une de Bédarieux, il y en a une de Sète, il y en a une de Agde, il y en a une de Perrette et il y en a une de Clermont-l'Hérault. Voilà. Je suis vraiment désolée. Voilà, la prochaine fois, je tâcherai de m'organiser un peu mieux et d'être un peu plus vigilante. Je vous embrasse très fort et merci d'être venu me retrouver. Il y en a quelques-unes, on n'a pas eu le temps de parler parce que chacune était très occupée, mais voilà, j'étais très contente de vous voir. Alors, dans les achats que j'ai faits, mon premier achat s'est porté sur un petit bloc pour, mettre bien en évidence nos blocs et surtout bien les ranger. Alors, j'avais commandé à Scrap Influence chez Valérie des petites pochettes comme ça, qui sont vraiment superbes, qu'elle vend à un prix vraiment à 3 francs 6 sous. Hein, je vous conseille d'aller la voir. De toute façon, je vais lui commander des albums parce qu'elle a des albums qui sont magnifiques. Et en fait, ces albums rentrent bien dans ces pochettes. Mais vous savez qu'on en a beaucoup et on ne les a pas toujours sous les yeux. Enfin, voilà. Donc, j'ai repéré dans ce salon un monsieur qui s'appelle l'atelier des 101 boîtes. Alors, ils font plein de rangements. Après, c'est à vous de voir. Hein. Moi, tout ce que je vous dis, de toute façon, je n'ai aucun intérêt. C'est l'intérêt, c'est pour vous. Je fais un petit peu le tri. Et c'est vous qui voyez, en fonction de votre budget et de votre façon de travailler, ou de scraper, ou de coudre, de voilà. Hein, je n'ai aucun intérêt là-dessus, je le précise bien. Tout ça, c'est pour vous. Je me régale de vous le faire...
de vous le faire savoir et de vous le communiquer. Hein? Voilà. Donc, on va regarder ensemble ce petit meuble que j'ai acheté. Voilà alors mon achat. J'ai craqué vraiment pour ce petit meuble où on peut mettre, comme je vous l'ai fait voir, tous nos précieux papiers. Là, je ne les ai pas mis encore. Hein. C'est juste pour vous faire voir. Nos précieux papiers de Stamperia, entre autres, hein, parce qu'il y a d'autres. Voilà, quand vous voulez, hop, vous voyez, on le prend et tous nos papiers peuvent rentrer aisément. Ah, j'ai vraiment craqué pour ce petit meuble, on va dire, hein, qui rentre parfaitement dans mon petit. Dans mon autre petit meuble. Hein. Vous voyez, en bas, il y a d'autres papiers. Et puis, voilà, moi, j'ai vraiment aimé. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas donné, il fait 49,90, je crois. J'avais laissé l'étiquette parce que je ne me souviens pas de tout. Hein. Voilà, il fait 49,90. C'est vrai que c'est un gros achat, quand même. Mais je trouve que pour nos papiers qui sont précieux, parce qu'on achète quand même des albums et quelques albums qui sont précieux, je trouve que c'est bien. Après, voilà, hein, moi j'ai pas de. Voilà, vous voyez, et tous bougent. Vous voyez, j'ai commencé. Voilà. Alors, j'ai pas tout fait parce qu'on est quand même lundi, donc j'ai pas eu le temps de tout faire. Voilà, on va passer à l'autre achat. Alors, on a vu donc ce petit meuble avec ce monsieur m'a donné des petits cadeaux. Ça doit être des découpes. Vous avez vu sur la vidéo qu'il fait des découpes en bois. Alors, il m'en a donné deux. C'est un monsieur qui est vraiment adorable et il fait des très 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 belles choses. C'était un salon qui était vraiment, vraiment extraordinaire. Oh là là, c'est génial. Oh, regardez comme c'est beau. Charmant. Oh, c'est mignon. Voilà. Et il m'en a donné une deuxième. On va voir ce que c'est. Hop, hop, hop. Putain, je me dépêche, hein, mais bon. Vous savez que plus on se dépêche, moins on fait bien les choses, enfin du moins moi, hein. Peut-être vous êtes peut-être super, mais moi plus je me dépêche, plus je fais tomber les choses. Et là, hop, hop, hop. Oh là, et alors ça je peux vous dire que c'est vraiment pour moi, gourmand, il aurait même pu mettre un dé, gourmande, je suis vraiment vraiment gourmande. Ah, c'est vraiment super. Donc voilà, c'est l'atelier des 1001. Une boîte. Donc, j'ai acheté cette petite boîte. On va le mettre de côté. Le salon est organisé par, je crois, une association du... je crois que c'est de Savoie. J'ai eu un accueil vraiment charmant. Tout le monde était adorable. Ça a été un très, très agréable salon. Par contre, nous, de Béziers, ça faisait loin. Hein, j'en avais un petit peu marre. Donc, j'ai eu ce magazine, donc, à regarder. Alors, après la première boutique que j'ai vue, j'ai donc pris des rouleaux pour mon appareil. Hein, voilà, pour mon appareil qui est ici, hein, vous le connaissez. Alors, je les ai trouvés moins chers sur Internet, mais bon, j'en ai quand même pris. Et je les ai payés 11,95 €. Moi, je les ai payés moins cher sur Internet. Je crois que j'ai dû les payer 7 € et quelques sur... Mais bon, mon mari m'a dit, allez, prends-les, quand même, on ne sait jamais. Donc, je les ai pris. Hein? Voilà. Alors là, c'est l'atelier des bois. C'est bon. Je n'ai pas pris, je vous dis, énormément de choses. J'ai pris celle-ci, la Versafine noire. Hein? Elle est encore sous... Parce que la mienne, elle commence un peu à être fatiguée. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Alors, vous voyez, j'ai pas pris énormément. Hein. J'ai pris des encres. Alors, vous savez que j'en ai quelques-unes. J'ai pris les Distress. Alors, par contre, les prix, je peux pas vous le dire. Le ticket, je sais pas où il est. Alors, j'ai pris de la Distress
Spung Sugar. J'ai pris de la marmalade. Voilà. J'ai pris dans les up. Bon, on va dire violet. Mauve. Après, celle-ci, la grise. Voilà. Et celle-ci, c'est la Lucky Clover. Voilà. J'en ai pris 5. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. J'ai pris ces 5-là. Voilà. Alors, vous savez que moi, je fais des... Je fais des moulages. Donc, j'ai craqué pour ce tampon. Ce tampon, on va l'ouvrir. C'est des rouages. Oh, autant j'aime la dentelle et tout ce qui est perles, qu'après, je vais aimer les rouages. Regardez comme c'est beau. Oh, moi, j'adore. Pour faire du mixé média, c'est superbe. J'adore. Bon, par contre, voyez, il n'est pas donné, hein, 14,90 €. Hein. Mais bon, hein, c'est des sacrés moules, voyez, qui sont costauds. Voilà, donc j'ai pris ça. Alors, après j'ai pris chez une dame que je connais bien, qui fait les puces régulièrement, qui fait les puces des couturières. D'ailleurs, il va y en avoir une... Il va en avoir une à Bédarieux le 23 février. Donc, si vous voulez y aller, hop, je vous mets... Voilà. Alors, je tâcherai de vous le mettre dans la barre d'infos. Alors, elle est superbe. Elle s'appelle Muriel. Elle est vraiment adorable. Je la connais depuis un moment. Elle est super gentille. Elle fait des accessoires qui sont vraiment pas chers. Alors, moi, j'ai pris tout ça chez elle. Elle vous donne toujours des petits cadeaux. Elle m'a donné ça, un petit cadeau. Et deux petits trucs. Alors, vous savez que j'adore faire des boucles. Et j'ai pris... Je vais vous faire voir. J'ai pris des fermetures pour fermer mes boucles. Moi, j'adore. Regardez cette beauté. Je sais pas si on voit bien. Je vous assure, c'est magnifique. Par contre, je me souviens plus du tout du prix. Alors, j'ai pris ce genre-là. J'ai pris ce genre-là. Écoutez, pour le tout, pour tout ça, toutes ces fermetures, hein, je crois que j'en ai eu pour 25 €. Je peux vous garantir que c'est pas cher du tout. Regardez cette beauté. Regardez cette beauté. Et là, il y en a 3. Mais vous avez, c'est complet, hein. Vous voyez, vous avez le fermoir, hop. Il y a celui-là, j'ai adoré. Regardez celui-là, oh, j'ai adoré aussi. Il faut que j'arrête de dire j'ai adoré, parce que, en fait, j'ai tout adoré. Il n'y a que le porte-monnaie qui n'adorait pas. Alors, en fait, ça, regardez, il y en a combien, hein? 2, 3, 4, 5, 6, il y en a 6. Et en fait, regardez comme c'est joli. Je vais vous le mettre sur mon téléphone. Regardez. Et vous savez, pour mettre au dos des boucles, je sais pas, j'ai pas mon bouc là. Hop, j'en ai un, éventuellement. Il va peut-être pas correspondre. Vous voyez, quand vous avez vos boucles là, il n'est pas fini celui-là. Vous pouvez mettre ça. Regardez comme c'est beau. Voilà. Et après, vous faites pendre ou des rubans, ou des breloques, ou des... Regardez, c'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup. Alors, il y a ce style-là. Il y a celui-ci. Regardez comme ils sont gros. Je crois que j'y retournerai à Bédarieux, rien que pour aller lui acheter des... Regardez celui-là. Il est énorme. Oh là là. Regardez ça. Comme c'est beau. Même ça peut être l'ouverture d'un bouc. Hein. On fait ça, pof. Oh, moi, j'ai vraiment aimé. Hein. Là, il y en a 2. Là, il y en a 2.
Après, c'est des pop-up. Là, c'est pas garder ces petits. Oh là là. Là, c'est des petits. Voilà, regardez. Là, c'est des petits lions. Superbe. Hein, voilà. Après notre fermeture là, fermeture. Après vous en avez des plus simples, hein, vous choisissez de toutes les couleurs. Hein. Vous en avez des dorés, vous en avez des argent, vous en avez. De toute façon, vous savez qu'on peut le peindre. Hein. Regardez celles-là comme elles sont belles. Regardez cette beauté. C'est magnifique. Hein. Moi j'adore, vraiment j'adore. Hein. Après, il y a encore celui-là. Je vous dis, regardez tout ce que j'ai pris. Et j'en ai que pour 25 euros. Bon, ça fait 25 euros, c'est sûr. Mais moi, je trouve que, à comparer avec d'autres... regardez, là, pareil. On peut le mettre au dos du bouc. Regardez. Regardez comme c'est joli. Superbe, hein? Et là, j'en ai un... 2, 3, 4, 5, 6. 5 et 6. Et après, elle m'a vendu, bien sûr, les attaches parisiennes. Voilà. Je vous mets sur mon téléphone. Voilà. Pour mettre... pour attacher avec. Pour mettre dans les petits trous. Vous avez le petit trou. Où est-ce que je peux vous faire voir? Voilà. Là, vous avez des petits trous. Et on le met comme ça. Hop. Voilà. Et ça rentre parfaitement. Non, je suis ravie. Vraiment, je suis ravie, 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 ravie. Ben voilà, c'est tout. Hein. C'est déjà pas mal quand même. Hein. C'est, j'étais déjà contente d'y aller. Et puis, ça m'a fait super plaisir que... mon mari puisse m'amener. Alors, un petit cadeau, j'ai eu voilà, des petits pochoirs, un ananas, des petites flèches. Ça, c'est... Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas mal. Rigolo. Des petites bulles. Des petites bulles. Et puis, voilà, un petit tampon offert par Aladdin. Un petit tampon, hop, hop, hop. Voilà. Ah, oh, c'est super mignon. Et il y a marqué une création. Deux, et après vous mettez votre nom. Voilà, voilà. Ben, j'ai terminé mon petit compte rendu. N'oubliez pas d'aller aux puces des couturières. Et je tâcherai de vous mettre les commerçants en barre d'infos. Hein? Voilà. Je regarde un petit peu, que j'oublie personne, parce que vraiment, c'était... c'est vraiment superbe. Voilà. Hop, je regarde un petit peu tout le monde, que j'oublie surtout personne. Parce que vous savez, c'est pas évident, hein, quand il y a du monde comme ça, on vous parle d'un côté, on vous parle de l'autre... Voilà, bah écoutez, je pense que c'est bon. Il va falloir à présent que je finisse avec vous le petit book. Je vais vous le chercher. Et ce sera la prochaine vidéo. Voilà. On va le terminer. Hein, on va terminer celui-ci. Il est pratiquement terminé. Vous voyez, il faut que je fasse la, que je finisse la page. Hein? Alors, je vous en fais voir un petit peu. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, la prochaine vidéo, on finit de terminer ce book qui j'ai commencé il y a un petit peu de temps. Et vu les problèmes de santé que j'ai eus, j'ai pas pu le terminer. Et là, je vous promets, on va le finir ensemble.
promis, juré, craché, comme disent les petits. Voilà, mais écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et voilà, bon scrap à tout le monde. Bisous, bisous.